Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour un petit colis. Regarde, regarde ce que je viens de recevoir. J'ai commandé une nouvelle espèce de fourmi, s'il te plaît, une espèce en plus qu'on peut trouver en France, la Camponotus cruentatus. C'est une jeune fondation, voire une ginseul, j'ai pas très bien compris, j'ai fait ma petite commande sur le site Fourmihomme, le copain, comme d'habitude. J'avais aussi des projets, il faudrait que je retourne à Nîmes, filmer avec lui, quand j'aurai un peu de temps, pour faire carrément peut-être des sorties herping nocturnes du côté de Nîmes, pourquoi pas, avec peut-être quelques abonnés, avec le patron Monsieur Fourmihomme et des trucs comme ça. Je pense que ça serait pas mal de faire des petites vidéos comme ça. Bon, ça sera pour plus tard parce que là, c'est vraiment pas en projet actuellement, c'est moi qui aimerais. Ça ne veut pas dire que ça se fera. Sachant que je compte peut-être changer de boulot parce qu'avec mon patron, ça va pas du tout et ça craint de plus en plus et je commence vraiment à en avoir marre et fatigué. Donc, si quelqu'un est patron d'un sextoy et qui veut bien m'embaucher dans la région toulousaine, je suis preneur. Bien, j'ai oublié un truc pour ouvrir le colis. Je reviens. Ah! Si je me fais une enculette sur le doigt avec le couteau, je me fais passer un accident de travail. Ah, une culette, magnifique. Bon, vous voyez ça, super bien emballé. Bon, bah j'ai gagné un tube à essai. Il y avait un tube à essai en plus. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Il y en a plein d'ouvrières. C'est une tuerie, il y a du couvain. Ça fait longtemps que je voulais cette espèce. Regardez, au moins comme ça. Matez-moi cette bellicitude, cette joyeuserie. Magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apparemment, il y aurait 10 ouvrières. Elle est trop belle. En fait, elle est très, très, très proche de la Camponotus liniperdus. Du moins au niveau de la gine. Sauf que la gine Camponotus liniperdus est plutôt noir brillant avec une partie du gastre rouge brillant, que la Camponotus cruentatus elle est plutôt noire mat avec la partie, une petite partie du gastre rouge mat. Là ça claque du steak, là je vous le dis, c'est magnifique, une tuerie. Ça me remonte le moral, ça c'est bon, ça après le boulot, ouvrir des colis et recevoir des choses comme ça, ça remonte vraiment le moral, ça fait vraiment plaisir. Voilà, maintenant je suis condamné à commander tous les jours, pour recevoir tous les jours des colis et pouvoir me remonter le moral après mes journées de merde au travail. Ah, c'est vraiment une superbe espèce, je suis vraiment pas déçu. Il y a peut-être une ouvrière de morte à la limite. Il y a quelques œufs, des larves et un peu de cocon. Non, non, tout s'est très, 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 très bien passé. À titre de comparaison, je vais vous montrer la Camponotus liniperdus, du coup, que je possède, que un très cher abonné m'avait offert. Je l'ai mis dans du papier d'aluminium hein, et j'ai toujours pas d'ouvrière. Ça devient vite compliqué. La voici, il y a du couvain. Il y a peut-être un début de cocon, mais la seule ouvrière en fait qui est née, elle est morte à l'ouverture du cocon et la reine a fini par bouffer les restes de la fourmi. Donc c'est un peu compliqué le départ avec ça. À noter que la Camponotus liniperdus, la gine est quand même plus grande que la Camponotus cruentatus. Voici la gine Camponotus liniperdus. Je rappelle que c'est quand même l'une des fourmis les plus grandes d'Europe. Et on la trouve aussi en France. Donc il y a un peu de couvain, mais c'est quand même une espèce que je trouve très très difficile. Et j'espère vraiment arriver à faire quelque chose parce que c'est vraiment une espèce magnifique. Après tout dépend des gens, mais moi je trouve que c'est probablement l'une des plus belles de France.
Je vais pas non plus vous laisser comme ça, on va discuter un petit peu, tous les deux, tous les trois, ou tous les je sais plus combien. En même temps que je discute avec vous, je vais vous montrer quelques petits passages au niveau de mes colonies de fourmis. Donc actuellement, j'ai donc les Camponotus Fela, les Camponotus Nicobarensis, les Camponotus Vagus, les Camponotus Liniperdus, Camponotus Cruentatus. Je commence à avoir pas mal de Camponotus. Après, au niveau des fédoles, ben, je n'ai plus que les fédoles Noda qui explosent littéralement, qui s'en sortent super bien. J'ai toujours beaucoup, beaucoup de sexuées. Pas de nouveautés après à raconter de plus actuellement sur cette colonie-là. Il y aura vraiment une vidéo spécifique là-dessus. Vous avez beaucoup aimé la vidéo que j'ai fait sur l'élevage des fourmis où je nourrissais avec des frelons asiatiques. Vous avez beaucoup aimé ce concept-là de vidéo. C'est vrai que j'avais travaillé un peu plus aussi sur les montages. Je m'étais bien amusé, c'était une vraie galère quoi. Il faut savoir aussi que je montre pas beaucoup les Messeurs Barbarus, mais elles se développent toujours tout aussi bien. Je sais toujours pas si je vais leur faire faire une diapo cette année ou pas, parce que ce n'est pas forcément obligatoire, c'est beaucoup sujet à controverse. Il y en a qui disent qu'il faut absolument faire une diapose, il y en a qui disent que non. Jusqu'à actuellement, jusque-là, je n'ai encore jamais fait de diapose sur des Messeurs Barbarus, que ce soit avec cette fondation-là, enfin cette colonie-là que j'ai, ou la colonie que j'avais il y a 10 ans en arrière. Après, il faut voir peut-être sur la longévité de la reine, sur la durée dans le temps. C'est vrai qu'une gine Messeurs Barbarus est censée vivre au moins 20 ou 30 ans. Et là, c'est pas forcément. Peut-être que si elle ne fait pas de diapose chaque année, peut-être qu'elle ne sera pas dans la capacité de pouvoir vivre aussi longtemps. Là, personnellement, j'ai vraiment aucune idée là-dessus. Je compte faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos herping nocturne. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément sur YouTube. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer au maximum sur ma chaîne YouTube. Il y aura de plus en plus de vidéos herping, vraiment version nocturne. Ça sera dans des vidéos comme ça dans la semaine. Et j'espère vraiment que ça vous plaira. La plupart du temps, je serai accompagné toujours avec mes potes. Donc Nicolas, le grand Nicolas, le petit Nicolas, Thomas, voilà, tous mes potes, toute la petite team là. On risque de faire des choses vraiment pas mal là-dessus. J'avais vraiment un projet de série de vidéos aussi en nature avec l'élevage des fourmis et en fait, je ne l'ai pas fait par un énorme gros manque de temps. Là, on arrive en hiver, donc pendant l'hiver, en fait, les vidéos du mercredi, ça sera vraiment, vraiment basé sur mon élevage de fourmis que je possède chez moi. Et après, par contre, dès le printemps, je vais commencer peut-être des séries de vidéos aussi en nature sur l'élevage des fourmis. Après, j'ai beaucoup de projets, voilà, nouvelles installations, des nouveaux nids de fourmis qui devraient arriver, des nouvelles aires de chasse que j'aimerais tester, soit fabriquées par mes soins, soit je passe par un professionnel. Je vais voir tout ça, mais tout ça, je vous en parlerai, ne vous inquiétez vraiment pas là-dessus. Je suis content que vous continuez à me soutenir par rapport aux vidéos de fourmis. Ce n'est pas les vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne, et pourtant, c'est parmi les vidéos qui me demandent le plus de temps et le plus de travail. Et c'est vrai que ça fait quand même plaisir, parce que même si je vise une petite communauté avec ces vidéos-là, c'est vraiment un gros partage de ma passion, et je vois que ça intéresse quand même de plus en plus de monde, l'air de rien. Énormément de personnes veulent commencer à se lancer dans les élevages de fourmis. Ça fait vraiment plaisir. Des personnes qui se renseignent et tout, c'est super quoi.
Bon, maintenant, ce que je compte faire, c'est arrêter le tournage de cette vidéo, partir sur le site Fourmihomme et voir un petit peu mes futurs projets, qu'est-ce que je pourrais bien m'acheter. Voilà. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, la soutenir, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sachez que je lis tous vos commentaires, peu importe le nombre, les commentaires, je les lis. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao, ciao !